Nous allons voir comment additionner du texte de deux cellules sur Excel, le logiciel de tableur de Microsoft. Pour ça, j'ai préparé en colonne A et B des prénoms et des noms. Et on va concaténer ces cellules pour, par exemple, générer une adresse email. Donc en cellule C1, on met un égal. Et là, vous avez deux options. Soit vous utilisez la formule concat, puis vous ouvrez la parenthèse et vous sélectionnez la cellule 1, puis point virgule et la cellule B1 et vous fermez la parenthèse. Soit, deuxième solution, vous sélectionnez la cellule A1, vous mettez un et vous sélectionnez la cellule B1 et entrez. Maintenant, pour finir l'exemple, on va rajouter un texte en brut avec un nom de domaine, par exemple @gmail.com, puis entrer. Je fais la même chose sur le deuxième exemple, et on peut maintenant sélectionner nos deux cellules et glisser la formule sur toutes les cellules concernées. Vous voyez que ça n'est pas parfait parce qu'il y a encore des majuscules dans l'adresse email, et si vous souhaitez savoir comment passer du texte en minuscules, je vous renvoie la vidéo en description. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.